Bonjour, c'est moi Ricardo. Je vais vous montrer une plante du sud de Madagascar, Tinef, en malgache, et le mot scientifique, Jujubis spinacristi. En français, on l'appelle jujubier. C'est un petit arbre buissonnant, maximum de 7 mètres de hauteur, qui les rameaux retombant en structure de pyramide, ainsi que les feuilles trinerves sont des caractéristiques des ramenacées. Les feuilles des tinefs sont alternes, simples, et le bord des feuilles un peu denté. Le dessus des feuilles, les couleurs vert brillant, et les dessous blanchâtres. Les fleurs blanc crème, elles sont caractéristiques de la famille ramenacée. Le fruit est une drupe, un fruit charnu. La pulpe est farineuse, blanchâtre. Il contient un gros noyau. Le fait de cet arbre sert de fourrage au cerf. En plus, les feuilles sont utilisées pour traiter les maladies typhoïdes. L'écorce de cet arbre est utilisée pour traiter une maux de tête. Le Jujubis spinacristi n'est pas endémique de Madagascar. Il est originaire d'Afrique et le Moyen-Orient. Le nom du genre vient d'arabe Jujuf. Le nom de l'espèce Spinacristi signifie épine du Christ. Il est servi pour faire la couronne du Christ. En Madagascar, on peut le confondre avec Mucunas ou Jujubis mauriciana. C'est le fruit de Tinef ou Jujubis Spinacristi et le fruit de Mucunas. Jujubis mauriciana, filière, on le trouve partout dans la rue. On peut l'acheter pour manger correctement, comme ça, et aussi pour faire du jus, des confitures,